Hey YouTube, après un ennui technique, nous revoilà. Des bisous. Alors, où est-ce qu'on en était? On doit retrouver Samuels, notre ami qui défonce des androïdes à main nue. Des piles de lampe torche et une mini-UM encore. Ici, il y a un ordinateur. Utilisons-le. Smite Lee, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai fermé la porte d'accélérateur, moi? Tes flingues et ton matos me font ni chaud ni froid quand le synthétique que t'avais au cul est encore là, bordel. Je vois qu'il m'a pas vu. Il est debout et regarde tes vieux magazines sur le balcon de la centrale de fluide. Reviens là tout de suite et ouvre-moi cette porte. On résiste, on prouve qu'on existe. Je ne sais pas trop combien d'entre vous seront encore là quand vous aurez ce message, mais j'ai des armes et des provisions. Et je pars m'installer près de la boutique à l'extérieur de la salle d'expo. J'espère qu'on sera protégé de la créature là-bas. Je suis avec Smite et on attend d'accéder à la réception de la centrale de liquide synthétique. J'ai toujours pas vu Suzanne, tenez-moi au courant si vous la voyez. Suzanne. Très bonne chanson de Leonard Cohen, hein, Suzanne. Leonard Cohen qui n'était peut-être pas un grand joueur d'Alien Isolation, on ne sait pas. Qui sommes-nous pour juger les goûts vidéoludiques de Leonard Cohen? Vraiment la patate de munitions, c'est vraiment trop chelou. Hop. Bon, il a rien donné pour le lance-flamme, je suis déçu. Alors là, il y a une espèce de placard. Non, c'est une porte. Le reroutage, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Les bourrins sont en train de défoncer la porte. Ça devrait les retenir. Sauf que maintenant, au lieu d'affronter des androïdes normaux, je vais affronter des androïdes en feu! Oui, c'est exactement ça. Carte d'accès requise. Très bien, très bien, très bien. Oui, bah. J'apprécierais que vous décédiez, merci. Ça va mal se passer. C'est de mon côté où le stream coupe par moment en basse qualité. Je sais pas du tout. Moi, normalement, j'ai pas de soucis chez moi. Mais... je vais regarder ça. Je vais d'abord mourir. Hein. Faisons les choses dans l'ordre. On va mourir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de perte de frame de mon côté, donc je sais pas. Normalement, il n'y a pas de raison de perte de qualité. C'est étrange. Après, c'est peut-être lié au fait que mon... Comment dire? Mon disque dur était plein à craquer. Mais je vois pas trop comment ça pourrait être. Des coupures aussi, c'est bizarre parce que moi de mon côté il m'a vraiment rien dit, il m'a vraiment pas dit qu'il y avait de problème. Donc je ne saurais vous dire.
Beaucoup de coupures ou peu? À quel moment à peu près? Les 5-10 minutes là, ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est. Ah, c'était peut-être lié au fait que je faisais des alt-tab pour essayer de régler mon problème de disque dur. Ou alors que mon disque dur était vraiment plein à la gueule et que donc du coup il était. Il a pêché de. Il a bugué donc. C'est peut-être lié à ça. Bon. Jackie et les synthétiques. Comment on va régler ça? Pas devoir tous me les faire quand même. Je me fais attaquer par des androïdes en feu. Et je me fais tuer par des androïdes en feu. Tous les coups, la carte, elle est pas être, elle va être je ne sais où. En effet, hein, la carte est probablement quelque part. C'est reroutage, c'est bon. Ça doit être sur les. Carte d'accès requise. Si on les laisse cramer suffisamment longtemps, on aura peut-être besoin d'une seule balle pour se les faire. Alors, environnement. Deux. Non, il n'y en avait qu'un. C'est pas celui que je visais. Non, je veux pas la fabriquer. Et c'est la décédence. Oui, je suis con, je peux. J'ai des mines UM, je peux les utiliser. Nuit. Nuit. Clic droit visé. Clic gauche lancé. Ça va. Je peux même faire ça. Ils
Bon. Pas très délicat, mais néanmoins efficace. Et du coup, on a retrouvé des munitions. On a dépensé masse en trucs IUM, donc on va peut-être en refaire une. Parce que ça sert quand même pas mal. Admettons-le. Hop. Est-ce qu'on attend pour un de sauvegarde? Il est rechargé. Oui. Parfait. Hop, sauvegarder. Bon, du coup, Samuel est dans le grand coin. Ah ouais. Donc machin est synthétique. Transit de sécurité à Apollo par là du coup. J'étais alarme de station spatiale dans une autre vie. Je ne savais pas comment vous le dire, mais l'occasion me semble bien bienvenue pour vous en parler. Actif, zéro actif. Établir le courant. Oui, mais le courant, c'est là. Ouais, hop. Nien. Suivons Samuels. Eh bien. On avance, on avance. Depuis que le gros est plus là, j'ai quand même l'impression qu'on avance un petit peu mieux. C'est pas forcément brillant, mais ça avance. Bien, juste une couille de plus sur cette station. La routine. Montez. Bah oui. Ça semble une si bonne idée. Ah d'accord, donc grille de ventilation, c'est pas bon. Quelle agilité. Alors, on va peut-être se soigner, hein. Ça me semble une super idée. On était quand même à deux doigts de se faire congeler le lionf. Ah, la meuf, c'est Rambo. Alors je sais que nous sommes dans un monde où, après s'être fait ouvrir le bide avec une machine non calibrée pour se faire extraire un bébé poulpe, on peut courir et faire de la varap, etc. Mais quand même. Petit peu de respect. On en a plus besoin.
passer par là qu'il y a Samuel, ses ennemis sont proches. Moi, sarcastique, jamais. Comme si je pouvais être sarcastique avec des mauvais films. Allons. Non, mais c'est vrai. Tu te fais opérer, autre coup avec des agrafes, un petit bisou magique et hop, c'est réglé. Oui. Ah putain, mais ils sont nombreux. Vous êtes combien en fait? Ça me semble chaud au niveau timing. Calmez-vous. Ripley, je suis heureux de vous voir en vie. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo. J'ai plus de vie, surtout. Se refaire un medikit, hein. On les bouffe plus vite que les bons mecs. Je sais pas ce qu'il essaie de faire Samuels, mais je suis pas forcément fifou. Même si pour l'instant, je crois qu'il était plutôt réglo avec moi. Je vais utiliser la chambre de reformatage, c'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Que fait-il? Je sens qu'il est en train de faire des trucs de type pas cool. Petite sauvegarde. Le moment du plaisir, bien sûr. Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Souhaitez-moi bonne chance. Samuel, non! Non mais... Vous avez le droit aussi d'arrêter de faire de la merde à un moment. Suivi de s'abonner des sandwichs pour de l'argent en espérant que les gens le la créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Allez, connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuels ? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non ! Amanda ! Oups ! Vous devez absolument... Quand je disais que c'était une idée de merde. Oh, le câble rouge en premier. C'est ça rouge?
Ouais, c'est ça, rouge. Hein. C'était peut-être pas ça, rouge. C'était pas ça, rouge. Je vois pas les couleurs. Je vais crever 50 fois parce que je vois pas les couleurs. Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Écoutez, pas bonne chance. C'est lequel? C'est le deuxième, le rouge? Ah, c'était noir, ça, d'accord. Ok, donc le rouge c'est celui-là. Blablabla, c'est celui-là, d'accord. On la refait. Concentration. Activation du mode. Vision des couleurs. Ben ouais, ils auraient pu quand même prévoir un petit truc en mode daltonien, si vous avez pas Dieu, avec des armes en con. Vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Parce que du coup, c'est un peu l'arnaque. Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder. Et pour moi aussi, spoilers. Débranchez le câble rouge en premier. Ok, rouge en premier. D'accord. Rouge, c'est quoi comme couleur? Vite! Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez? Bon, bleu, ça va être dans mes capacités. Oui. Sauf que là, j'ai appuyé sur F au lieu de D. Ok. Il faut le suivant, Samuel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe dehors, s'il plaît? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Ça va pas être celui-là. C'est celui-là. Ouais, mais je te fais pas trop confiance pour me décrire les couleurs, je te connais. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un endroit désactivé pas très loin à côté. On admirera quand même le fait que, grâce à ma vision incroyable des couleurs, j'ai activé en premier celui que je devais faire en dernier tout à l'heure, quand même. J'ai complètement inversé l'ordre, c'était de la grosse merde. Samy! Samuel, vous êtes en train de mourir. Vous parlez comme si j'avais vraiment vécu. Je vous en remercie. Samuel, le transit d'Apollo est ouvert. Une fois que vous serez dans le noyau, il vous parlera. Vous avez fait ça pour moi? Ok. Bah merci hein. Moralité les enfants, méfiez-vous des IRM hein. Visiblement ça peut faire mal. Ricardo, si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuel. Excusez-moi, j'étais parti pisser. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Transit de problème, il me fera passer par tous les mecs. Je vois pas comment ça peut bien se passer. S'ils vont être tous là à m'attendre, genre coucou.
Vous me faites chier les robots. Par où faut que je passe la porte. Et là après, c'est vers la droite. De son. Pack de recharge, des tasers. Notre pack de recharge, c'est pour faire des mines IEM. Fort bien. Mais c'était pas par là. Midgen, on s'en fout. Le fameux fumigène qui fait de la lumière, hein, à nouveau. Hop, tu peux te relever, Josiane. Ils ont dû aller se recoucher. Ils ont pris une petite tisane et au lit. On va dire que c'est ça. Détecteur. Bon rapport dans le processeur d'Android. On a un problème. On a des victimes androïdes et humaines sur la station. On vient de me signaler qu'un androïde a été amené à l'APTC avec une lésion à la tête. Mais il est couvert de sang. Du sang humain. J'ai alerté les marshals et placé ma secrétaire en lieu sûr. Je me dirige en ce moment même vers le transit. Je viens de trouver un truc. Je vais demander à un lambda de consulter à moi. Il s'est peut-être qui est le foutu responsable de tout ça. Toi, c'est maman. Moi, c'est Taylor, chef de secteur chez Wayland. Voilà la grosse artillerie. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? Laisse Ripley en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland de Tani. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Les coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé l'épave. Très bien, très bien, très bien. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. Ok. Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite. Fais-moi sortir. Donc, Taylor, très sympa. J'ai entendu. Ouais, très bien, mais c'est pas par là que je dois aller, moi. Si. Si. Transit de sécurité d'Apollo. J'ai quasiment plus de munitions. Tout va bien se passer. Truc de sauvegarde pas loin, ouais. Il y a un druide de tout à l'heure, il est réactivé. Évitez de lui faire Cosette. Appelons transit. Plan de Sébastopol. Engineering, Saïd, Lorenz, bonne habitation. Tixon vers Apollo Corps. Perturbation affectant actuellement le service.
Bon, je pense qu'on doit approcher gentiment de la fin du jeu quand même. Je sais que j'avance pas à un rythme de fou, mais. Et que je passe plus de temps planqué dans les placards et à ramper qu'à vraiment avancer, mais je pense qu'on avance un petit peu dans le jeu quand même. Vers le noyau. Le noyau d'Apollo. Obtenir un accès direct au noyau. Okidoki. Plaque d'identité, pack de recharge. J'aurais préféré que le transit reste là plutôt que se barrer. Personnel, il n'y a rien à partager. Ensemble pour demain, l'épopée de Sixon dans l'espace colonial. Ascension vers Sébastopol. Blablabla. Je me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a redirigé les missions primaires des androïdes et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. Il y a du liquide de refroidissement partout. Le gaz fuit et l'ascenseur d'accès principal s'est verrouillé. J'ai fait une demande d'aide, mais je suis 45e sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement immobilisés par les mesures de confinement. J'ai trouvé un moyen de descendre. Spelling, terminé. Donc on va leur se rendre par là. Putain, c'est pas vrai. Veuillez déposer les armes à feu sur le tapis de sécurité. Ouais. Bon, d'abord explorer un petit peu autour. Hein. Merci de déposer votre lance-flamme. Important d'avoir un bon transit, oui. Enfin, dans Alien, faire gaffe. Quand t'as mal au ventre, c'est pas forcément le bon transit. Le pistolet, le pompeux, le lance-flamme. J'espère qu'ils vont dire, on vous les a rechargés. Ricardo, l'entrée est bloquée. Il doit y avoir des schémas utilisés pendant la visite des acheteurs de Sébastopol. Il y a peut-être une porte arrière. Vérifier les schémas des visites devant Apollo. Oui, très bien. Si vous voulez. C'est pas là. C'est là. Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre, fastoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. Try to... Blablabla. Bah try to quoi. 49-30. Ça va faire mal de ramper dans un couloir sous tension, non? Je vais l'éteindre d'abord. Oui, c'est... en effet, c'est une bonne idée. Laisse-moi me glisser dans le 220 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Route. Nol. Pas l'air de faire grand chose ici. Heureusement, les cocktails Molotov ne comptent pas comme des armes. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. J'avais complètement oublié. Est-ce que ça sert contre les synthétiques? Je ne suis pas sûr. Comment ça, Luc?
Non, elle veut pas de lutte. Ici Chief, il y a un truc qui cloche avec vos androïdes. L'équipe que j'avais réquisitionnée pour le démembrement des quartiers inférieurs s'est arrêtée net. Ils ont baragouiné quelque chose à propos d'un ordre sur le confinement de danger. Ils ont essayé d'entrer dans ma cabine de contrôle avant de partir. Je sais, je me plains tout le temps au sujet de ces saloperies. Mais maintenant, j'ai la preuve que le système est défectueux. Bim, Spedding, votre boss. Demain, même heure. Et je vais botter quelques culs. Donc quand il commencera à vous botter les culs aussi, c'est bon. Eh bien, merci. J'ai téléchargé les schémas d'Apollo ici. Je dirais que tu peux accéder par l'arbre de la turbine. Il doit y avoir un arrêt d'urgence pas loin. Mais ça va pas s'arrêter longtemps. Tu vas devoir passer en vitesse. Encore une tâche de merde pour Ripley. Ouais. On en aura fait des trucs dans cette station à la con. Hein. Entre le moment où on est entré par la grande porte et le moment où on avance là, il s'en est passé des choses. Oui. Porte fermée. Une salle à gauche à laquelle on va pouvoir accéder pour récupérer peut-être des objets. C'est mieux que rien. Il y a un ordinateur. Fichier de vente Apollo. Fiche d'information Apollo. Pourquoi un système Apollo pour votre station orbitale en espace lointain ? Autorégulation et entretien des androïdes, sécurité assurée par la désactivation de l'autodétermination des synthétiques, communication instantanée, aucune interférence, transfert des données à travers la station à la vitesse de l'éclair, fiable, efficace, autosuffisant, un produit, signé Sixon. Ou nommé Sixon. Il y a du mouvement. Il y a un androïde. Alors, hop, pif, paf, pouf, pilouk. Attendez, c'est arrêté. Ça devrait aller. Oui. Procédure de redémarrage de sécurité initialisée. Vite. Méfions-nous des lambadas Sixon. On va récupérer ça. Ricardo, l'entrée principale est verrouillée. Comme d'hab. Je fais quoi maintenant? Je t'entends pas, Rip. Ton signal est trop faible. Ricardo? Trouve un autre moyen de me contacter. Il y a un truc qui cloche avec mon oreillette. Oui, salle de contrôle d'Apollo pour les humains. Masque à gaz ramassé. Ça semble bien.
confinement, au niveau Omega. Céline, un truc de dingue vient d'arriver. Sébastopol n'est plus sur le marché. On a un acheteur. On boucle tout dans quelques semaines, et eux, ils changent d'avis. Après toutes ces présentations et visites avant de finir, finalement les pourparlers n'étaient pas comme ça au point mort. Un gars du QG de la compagnie n'a eu qu'à claquer les doigts. Un message de confirmation vient d'arriver, et Apollo reçoit en ce moment un paquet de adresses en opération. Je suppose donc que l'affaire est conclue. Inutile d'informer qui que ce soit jusqu'à ce que l'annonce soit faite aux actionnaires. C'est du niveau administratif. Ça envoie du rêve, hein. Ok. Ça peut être loin. Bon, c'est un petit peu dans le patard. Oui, je l'entends. Je l'entends discutailler dans mon oreille gauche. Qui s'approche. Il doit pas être loin, mais j'ai pas l'impression qu'il est là non plus. De la carte, on est où? Oui, il faut que je passe par là. Oh, putain. Je passe par là. Pas être loin, mais ils sont deux en plus. Ok. J'espère que ça va garder il y a pas longtemps. Oui. Il va falloir réussir à passer vers la droite. Il y a un boîtier de routage de je sais pas quoi. Peut-être nous aider. Donc lui il est là. Son collègue doit être pas loin. Et ils sont tous les deux là. Il y avait un conduit de ventilation, mais je suis pas sûr qu'il nous aurait beaucoup aidé.
Ok, bon, on y est presque. Alors, on va s'en regarder. What's the story, mother? Pof, 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 pof. Système de sécurité de l'hémisphère gauche, activation réussie. Système de sécurité de l'hémisphère droit, activation réussie. Cherchez la console de la banque des serveurs gauche. Putain, ça va être oublié les androïdes, évidemment. On va peut-être attendre le point de sauvegarde. Pour que. UM. On va attendre d'utiliser le point de sauvegarde. On en est plus après. J'ai hâte de finir. C'est écrit en japonais au-dessus des portes. Je sais pas ce qui est écrit, mais c'est écrit en japonais, en tout cas. Peut-être que Zessirb saurait nous le traduire. Même je suppose que c'est écrit Left Hemisphere Servers, mais. Alors, retourne voir nos amis les Androdro, les Androdro, les Androïdes. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah si. Ah. Oui, mais c'est. Ok, donc ça ne sert à rien sur les androïdes. Il est où ce putain de terminal? Donde? D'accord, donc il faut que j'accède à la conduite d'aération.
C'est là, ok. Il y a un point de sauvegarde. D'abord prendre un point de sauvegarde. Réduire les niveaux de sécurité d'Apollo. Bah ouais, d'accord, mais... Oula, putain, ça va vite. Je sais pas comment c'est possible de le faire en fait, puisqu'il va tellement vite. Bon, c'est peut-être fait exprès qu'on soit obligé de le rater. C'est en effet une sécurité compacte. Réduire les capacités de sécurité d'Apollo. Hein? Bon, je veux bien, hein? C'est pas ça qui me manque. Est-ce que ça veut dire qu'on doit trouver un moyen? Mon détecteur de mouvement, il a du mal. Toi dans l'autre sens. À mon avis, les ordi qui sont là doivent pouvoir servir pour réduire la sécurité. Ça sert à défoncer un droïde. Ok, ça me va. Je prends. C'est avec les consoles qui sont là que je dois pouvoir gérer ça, mais... Il y a des conflits dans la faille de confinement du danger. Les procédures de sécurité synthétique ont été contournées par la gauche et la droite. Les communications sont hors ligne. Je croyais que c'était aléatoire, mais maintenant je sais plus trop. Dites à Suzanne que je l'aime. Ok. Réduire le niveau de sécurité du noyau. Donde está la solution? Super, des munitions de revolver, si seulement j'avais un revolver. Alors.
Ah, mais ici je peux utiliser. Appuyez sur le déplacement lorsque le circuit est actif. Ah, oui, d'accord. Et... Licence faible. C'est par l'autre côté que je dois passer du coup. Activer tour à tour les téloches pour les niveaux de sécu, je pense. Faible, puissance faible, donc non. Il verrait un homme avec un pistolet et pas de balles, c'est vrai. Et il a subi une fin tragique. Il y avait un bouton. Appuyons sur le bouton. C'était peut-être ce qui manquait pour allumer les trucs de sécu. Et ça permet d'utiliser celle-là. Plus de déplacement pour sélectionner les valeurs, entrée pour confirmer. Hein? Allez. Oh, ces mini-jeux de piratage, je vais en faire. Allez, 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 allez. Ça déroule. Ça sera plus simple. Je suis trop un pirate. De toute façon, les piratages dans la vraie vie, c'est comme ça. Sachez-le, il y a des trucs qui défilent sur votre écran et vous devez appuyer sur entrer au bon moment. Hein. C'est. Tous les trucs qu'on vous montre, comme quoi c'est compliqué, tout, c'est de la couille. Utilisons le bousin. Oui, c'est en effet plus simple. Est-ce que ça va m'empêcher de me tromper? Je ne suis pas sûr, mais c'est bon. Hop là. Consultez Apollo. Oula, la tremblote. Du coup, je dois aller accéder à la console pour les humains. C'est verrouillé. Oula. Oula là, ça fait. Sacré bidule. Ah non, c'est là. C'est Mother. Ah, c'est l'équivalent de Mother. De Tani. Les bâtards. C'est eux qui ont acheté la station. Sacré Wayland Lutani, toujours le mot pour rire. Et ben on va pouvoir sauvegarder là, et je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui sur ce petit plot twist, sur ce petit achat, hein, grâce à cette OPA de la Wayland, qui bah nous a foutu de la merde en fait. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Faites des beaux rêves. Moi, je suis pas sûr.
Et puis, à lundi prochain pour la suite de nos aventures sur Alien Isolation. Mercredi, si tout va bien, on va tester Space Haven du jeu de gestion YouTube. Je vous dis à la prochaine, des bisous.